Dès le 22 août prochain, sur OCS, Matt Smith interprétera le prince démon Targaryen dans la saison 1 de House of the Dragon, série dérivée de Game of Thrones. Pour l'occasion, Closer vous propose de plonger dans la vie privée de l'acteur britannique qui fêtera ses 40 ans en octobre prochain et de découvrir notamment s'il est en couple. Connu notamment pour ses rôles dans Doctor Who et dans The Crown, Matt Smith a partagé pendant 5 ans la vie de Lily James, actrice britannique connue pour son interprétation de Rose McClure dans la série Downton Abbey. Le couple se sépare officiellement à la fin de l'année 2020. En mai 2021, nos confrères du Daily Mail révèlent que Matt Smith aurait entamé une liaison avec Caroline Brady, une femme d'affaires britannique. Cette dernière est notamment la sœur de Millie Brady, interprète de Cléo dans Le Jeu de la Dame, série Netflix à succès, et ancienne partenaire d'Harry Styles. Matt Smith n'a pas encore officialisé cette relation avec Caroline Brady. House of the Dragon, Matt Smith blessé sur le tournage. Sur le tournage de la série la plus attendue de la rentrée, Matt Smith a connu une mésaventure. Lors d'une réunion organisée à San Diego, il y a quelques jours, Fabien Frankel, qui interprétera Sir Criston Cole dans House of the Dragon, a révélé avoir blessé au visage l'acteur britannique avec une hache lors de leur première répétition. Je regrette vraiment de dire ça parce qu'on m'a demandé si je l'avais gravement blessé. Mais à ce moment-là, je me suis dit, mon Dieu, de toutes les personnes que j'aurais pu frapper avec une hache, Matt Smith était le pire. J'étais prêt à ce qu'ils me disent, tu as frappé, Matt Smith, si est-ce ça? Tu es viré de la série, a confié par la suite Fabien Frankel dans une interview pour Variety.